Ouais, notre reine. Salut. Bonjour, mon peuple. Veuillez accueillir notre prince chaleureusement. Waouh! Vivre dans un manoir, avoir une famille, ça doit être sympa. Salut, petits humains. Je déteste la monarchie. Prends ça, le prince. Oh non, il vise directement le prince. Non! Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Oh, c'est roturier. Ta tête a sauvé mon fils. Je ne te remercierai jamais assez. À partir de maintenant, tu fais partie de la famille. Viens, je vais te montrer ta nouvelle maison. Voilà, c'est ta chambre. Wow. Toute la chambre? Et le lit est pour moi? J'ai jamais eu de lit pour moi toute seule. C'est trop beau. Burk. Ça vient d'elle? Tu veux faire un câlin, mon frère? Non, non, non. Ça sent tellement pas bon. Il faut couvrir toutes ces odeurs. Waouh! Maintenant, je suis la reine des fleurs. Voici la marche royale. Vas-y, travaille dessus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les livres? Ça se met pas sur la tête. Waouh! Autant de nourriture gratuite? Eh, la pauvre fille! Utilise des couverts, une fourchette, une cuillère, c'est compris? D'accord, pas de problème. Hé, hey, c'est à moi! C'est bon, il n'y a plus de couverts. Problème réglé. Je mangerai à main nue. C'est si méchant. Tada! C'est pour toi, chérie. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Des trésors royaux? Non, c'est juste une trousse de beauté. On va te pouponner. Oh, c'est pas vrai, je suis pas une adepte de la torture. Calme-toi, c'est pas une torture. Je vais juste te nettoyer le visage. Waouh, c'est à ça que ressemble mon visage quand il est propre. Masque pour le visage. Ma peau pèle comme si j'étais un serpent. Ce n'est qu'un masque. Ensuite, le maquillage. Tu es prête pour briller? Et voilà, maquillage inspiré de la reine. Quoi? Oh non! Tourne-toi! La tenue ne correspond pas au code vestimentaire royal. On doit te changer au plus vite. Waouh! Tu es magnifique. J'ai toujours voulu avoir une fille. Salut! Aïe! Oh, ma main! Maman! Je me suis cassé la main. Jake, arrête de faire semblant. Reste en dehors de ça. On est occupé à faire des trucs de filles. C'est bon. Ça sera la guerre, sœurette. Il me faut un plan. Comment attirer ma sœur dans un piège? Oh, un chiot. Très bien. Tu vas m'aider à mettre en œuvre ce plan diabolique. C'est génial. Non. Non. Ça, c'est bien. Mais d'où vient ce son? Qui est-ce qui aboie comme ça? Ouf, 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 ouf. Oh, mais oui, il y a un chiot là-dedans. Où es-tu? Je t'ai eu. Oh, oups, prends soin de toi, sœurette. Oh, tu vas me manquer. Maman ne saura rien. La copie est meilleure que la vraie. Oh, salut maman. Fiston? Tu joues avec ta sœur? Je vous laisse. Amusez-vous bien, les enfants. Au revoir, maman. Mais où suis-je? C'est quoi cet endroit? J'ai trouvé une porte. Allez, vas-y, ouvre-toi. Tu t'es attaqué à la mauvaise fille, je te préviens. Allez. C'est quoi ton secret? Les amis, likez cette vidéo! C'est urgent! Pour que je puisse ouvrir la porte! S'il vous plaît! Je suis si malheureuse! Oh waouh! Autant d'argent! Ça pourrait être utile!
Le cadre en tuyau est prêt. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Waouh! La décoration de la maison est magnifique! Qu'est-ce que c'était? Une maison digne d'une princesse. Il manque quelque chose. Ah, bien sûr, un toit! Maintenant, c'est parfait! Qu'est-ce qu'il y a ici? Waouh, tellement de lumière! Bienvenue dans mon palais campagnard! Ah, c'est vrai, de la fourrure! Ça fait un super tapis d'entrée! Superbe! Et des coussins par ici? Non, ils ont l'air ringards! Je vais les rendre plus élégants! Un coussin doré! Magnifique! Donnons-lui un éclat diamant! Ces coussins ont un bon niveau de chic. Oh, mon cou! Ce sont des pendentifs en or très mignons. Un miroir royal. Oh, salut princesse! Et des chandeliers luxueux. Et voilà, ma maison royale meublée. Quelle vie cossue! Oh, mon ancienne vie! Hé hey, les amis, dites-moi ci-dessous dans les commentaires quelle vie vous préférez. Être pauvre et heureux? Ou riche et malheureux? Oups! Bye bye! Tout ce qui rappelle la sœur. Blah, notre horrible photo de groupe! Elle me rend malade! Ses oreillers tout mignons? Bye bye! Oh, qu'est-ce que c'est? Son journal intime? Bye bye! Meilleur frère? Regardez ça! Ma petite sœur! Je vais faire ce qu'il faut pour elle! Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, un cactus! Aïe! Ça pique! J'ai une idée! Écrasons un peu de poussière d'or! Génial. Prêt pour une nouvelle vie luxueuse, le cactus? T'en as de la chance. C'est super. Je l'adore. D'accord, sœurette. Je vais te laisser sortir de là. Quelle lourde serrure. Ouf. Où est-elle? Je vois rien. Kaya? T'es où? Tout est de ma faute. Je vais devoir descendre la chercher. Ça ne marche pas! Aïe! Oh mon frère, tu es là! Qu'est-ce que c'est que ça? Oups! Ça ne marche pas! On est coincé! Je suis claustrophobe! À l'aide! Je suis en train de mourir! C'est ton téléphone ça? Allez, dépêche-toi! Appelle maman! Allô? Oh, la batterie est morte! C'est le pire moment! Les amis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis pour que tout le monde sache où on est. Comme ça, notre mère saura où on est. S'il vous plaît. J'ai la clé. Super. On est coincé ici pour toujours. Personne ne viendra nous sauver. Je vais essayer de la déverrouiller. Allez, vas-y. Oh, ça marche pas. J'abandonnerai pas. Oh, je suis presque. Est-ce que ça va? Ouais. C'est quoi ce bruit? Ça s'est déverrouillé. On a réussi. Maintenant, sortons. Hein? Maman! Quoi? Bonjour. Vous êtes en faillite. Et vous êtes très endetté. Quoi? Félicitations. On vend les trésors de la royauté. Venez. Journée spéciale. Un diadème à 50% de réduction. Oh, ce diadème est quelque chose. Je vous donne 50 centimes. Donnez-moi ça. Il est à moi. Oh mince, on est vraiment pauvres maintenant. Je suis là. Terrible atterrissage.
chérie, je suis là. Rentrons à la maison. Maman, c'est qui ce monstre? Tu le connais? Oui, c'est le roi des elfes. Ton père, excusez-moi, le diadème n'est plus à vendre. Voici les 50 centimes. Je suis de nouveau reine. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? On a été expulsé du palais. Mais je vais redevenir une reine. Attendez-moi! Non, je serai à nouveau le seul enfant royal de la famille. Attendez! Et moi alors? Vous m'avez laissé... Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Eh bien, voyons si tous les objets de valeur sont en place. L'armure, ici. Le trône, ok, mets-le là-haut. Diadème, super, sur le porte-chapeau. Les couronnes, c'est vraiment mon truc. Léo, je vais prendre ma tiare. Et appelle Kaya. Kaya, entre ma puce. Oh, l'œuf de Fabergé de notre famille. Emmène-le en haut. Léo, où es-tu? Ici, maman. Vas-y, mon chéri. Ça fait tellement du bien d'être de retour à la maison. Je veux aussi rentrer à la maison. Laisse-moi entrer. C'est quoi ce bruit? Mon imagination. Oh, j'ai une idée. Je suis un garde royal. Arrêtez, votre majesté. Il y a une personne suspecte à l'entrée. Mon petit elfe. Prends du pudding, mon fils. Et voilà l'avion. Petit elfe. Tes oreilles sont les mêmes que celles de ton père maintenant. Maman, fais quelque chose. Papa, enlève ses oreilles. Les amis, est-ce que vous aimez les elfes? Dites-le nous dans les commentaires. C'est pas drôle. Oh, la sécurité nous appelle. Chut. Oui, j'arrive tout de suite. Je vous le dis, je suis un garde royal. Votre majesté, il y a un imposteur. Je ne suis pas un imposteur, je suis la princesse Kaya. Tenez, regardez la photo. Cet imposteur a un grain de beauté. La princesse n'en a pas. Ne la laissez pas entrer. Hein? Non, c'est vraiment pas juste. On doit trouver quelque chose pour remplacer Kaya. Voilà une idée. Allonge-toi, Kaya. Voilà une couverture. Les enfants, pourquoi vous êtes encore en train de dormir? Réveillez-vous. Le petit déjeuner est prêt. Oh, maman. Regarde, il y a un article sur les tendances royales. Lis. Quoi? Les perruques sont de nouveau à la mode? Intéressant. Voilà, il manque toujours quelque chose. Bien sûr, une tête. Ça va fonctionner. Oh, laisse-moi tranquille. Tu as besoin de tes yeux aussi, Kaya. Maintenant, on peut dire que c'est la princesse Kaya. Oups, la tête a éclaté. Qu'est-ce que c'est? Léo, comment oses-tu? Chérie, fais quelque chose. On doit retrouver la princesse disparue. Attendez, mais c'est moi! Ils essaient de me retrouver. Enfin! Je dois arranger mes cheveux. Sinon, personne ne va me reconnaître. Superbe. Regardez, c'est moi! Je suis là! Allez! Hein? Qu'est-ce que c'est? Mon selfie est raté. C'est moi! Regardez! Je suis la reine, saine et sauve! Qui veut un million de dollars? Allez, donnez-moi de l'attention! C'est moi! Hé! Hey, ne vous approchez pas de moi! Oust! Oups! Mon affiche! Est-ce que ce serait pas... Oui! Oui, c'est moi! Il y a un serpent! Sur toi! À tes elfes! Chérie, tu peux prendre ça au sérieux, s'il te plaît. On va organiser des auditions pour la princesse Kaya. D'après toi, qui lui ressemble le plus? La première ou la troisième? Oh, aucune idée, elles se ressemblent toutes.
les amis, laquelle de ces filles ressemble le plus à la princesse Kaya? Essaye ça, ma petite. Je me souviens que les pieds de Kaya dépassaient. Non, c'est pas elle. Suivante. Tiens, prends ce dessert. Exquis. Non, Kaya n'a jamais utilisé de couvert. Kaya ne mangeait pas très proprement. Ce n'est pas toi. Salut. Ce monde est plein d'imposteurs, chérie. Admets-le, tu n'es pas une princesse. D'accord, vous avez gagné. C'est pas si grave. C'est moi, la vraie Kaya. Assez. Vous êtes toutes des imposteurs. Tout ce que tu fais, c'est de briser le cœur de mes parents. Imposteurs. Attendez, j'ai un pendentif de famille. Je suis la vraie Kaya. Vous voyez? Oh mais oui, chérie, c'est vraiment elle. Je suis tellement heureuse. Toute la famille royale est là maintenant. Ma petite tarte à la crème, ma petite fille. Mange ta glace, mon bébé. Voici l'avion. Maman, où est ma glace? Tu en veux aussi? Plus maintenant. Voici un cadeau pour toi. Waouh, papa! C'est un jeu d'échecs royal. Génial. Jouons! C'est à moi. 1 et 2. Très bien. Dans ce cas, je prends ces pièces. C'est toi quand tu étais bébé. Et ça, c'est ton frère. Qu'est-ce que c'est? Allez, papa, je ne vais pas boire ça. Fils, ce royaume sera le tien un jour. Wow. Salut, le royaume sera à moi aussi. Quoi? Papa, maman, faites quelque chose. Quoi? Kaya a une imagination débordante. Une souveraine créative, voilà ce qu'il faut au royaume. Bébé, on part pour la conférence royale. C'est toi qui es responsable. Voici la liste des choses à faire pour aujourd'hui. Garde un œil sur ta sœur. Salut! Sœurette, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Voici ta liste de choses à faire. Allez, commence. Je serai à l'étage. C'est tout pour moi? Ok. Ouf, je suis rincée. Salut toi, je suis la fée. Tu veux aller au bal? Hein? J'étais en train de nettoyer il y a une seconde. Je voulais juste aider. Tu es sur le point d'avoir de... Super. Maman, papa, j'ai fini la liste. C'est bien, fiston. Tu es vraiment fiable, mon fils. Un vrai prince. Nous avons clairement besoin d'aide. La fée. Me voici. Mes enfants doivent se préparer pour le couronnement. Ok, sortez d'ici. Maintenant, c'est moi qui dirige cet endroit, les enfants. Première leçon, comment faire une révérence. Léo. Quel cauchemar. Kaya. Vas-y. Waouh. Incroyable. Wow. Quoi, mais comment ça se fait? La 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 la. Oh, des ordures. Comment je vais ramasser ça? Attention. Oh, je suis la beauté, je suis la grâce. On doit apprendre à jouer l'hymne national de notre royaume. Bravo, Kaya. Tu es si talentueuse. J'adore les pop-its. Une brillante élève. Cours de maths. Quelle est la solution de cette équation? Je crois que j'ai déjà fait ça avant. Est-ce que c'est du pain? C'est pour moi en premier. Mais la poubelle est à moi. Rends-moi ça! Non! Attends, laisse-moi réfléchir. Puisque nous sommes deux, il n'y a qu'une seule miche de pain et on va la partager. Alors chacun aura la moitié du pain. Bon appétit, mon ami. Je connais la réponse. C'est 10.
Mais comment elle fait pour savoir tout ça? Bravo, Kaya! Tu es une élève brillante! Et tu es un élève terrible, toi, Léo! C'est le jour du couronnement! Kaya, arrête de te ronger les ongles! Eh bien, le destin sera décidé ce soir! Oh, un atterrissage en douceur! Où sont tes bonnes manières? Oh, mon trône est si confortable! Alors, je suis censée être debout, moi? Personne ne m'aime! Qui sera le prochain héritier? Qui aura la couronne? Kaya ou Léo? Le suspense est en train de me tuer. Qui obtiendra la couronne? L'atmosphère est si tendue. Elle sera pour... Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Ils ont tellement grandi. Le temps passe si vite. Oh, c'est incroyable. Dans un royaume moderne, Sa Majesté a donné naissance à deux magnifiques bébés. Chacun d'entre eux recevra un pendentif royal. Ensemble, nous formerons une joyeuse famille royale. Maman t'aime. Dormez bien, mon prince et ma princesse. Aïe! Je ne supporte pas les barrières. Voilà la reine. Hein, les bijoux sont inaccessibles. Dans ce cas, je vais prendre le prochain trésor royal le plus précieux. La princesse. Oh, un miracle! L'univers a entendu mes prières. Il m'a donné un bébé. Quoi? Où est ma fille? On se réveille, le petit prince. Il est midi. Allez, on se lève, Léo. Je t'ai apporté le petit-déj au lit. Quoi? Encore du sucre et du lactose? Burk! Voici de l'argent. Achète-toi le petit-déj que tu veux. Merci, maman. Venez voir mon vide-grenier. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est fait maison! Oh, votre majesté, vous avez aimé quelque chose? Ew! Où as-tu trouvé ce pendentif, ma fille? Aucune idée. Je l'ai depuis le jour de ma naissance. Il vient de ma mère biologique que je n'ai jamais revue. Ma fille, je t'ai retrouvée! Merci, mais non. Oh, désolé. Je peux tout expliquer. Ce pendentif fait partie de notre famille unie. Je suis ta mère. Tu as été enlevée dès ton berceau, mais maintenant tu es de retour. Ma princesse. On est enfin de retour ensemble. Allons-y. Attends, il faut que je prenne mes affaires. Très bien, je suis prête. Allons-y. Voici notre château. Mais d'abord, nettoyons tes chaussures. Notre sol est très cher. Et tes chaussures doivent être propres. Mamma mia! C'est de la saleté à la place des chaussures? Ça va prendre une journée de travail! Il faut une plus grosse brosse. Allez, mettons-nous au boulot. C'est terminé. J'ai fait de mon mieux. Fiston, regarde qui est de retour. C'est ta sœur! Quoi? Mon frère! Elle pue! Arrête d'être méchant, Léo! On réunit une famille, là! Fais-lui un câlin! D'accord, maman! Avoir un frère était le rêve de toute ma vie! Ma fille, voici ta salle de bain! Ici, tu peux te laver et te détendre! Quoi? Est-ce que je dois rentrer là-dedans? Oh, ça glisse! C'est plus difficile que ce que je pensais! Très bien, je te donne un coup de main! Des bougies parfumées pour une ambiance paisible. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est dangereux? Ça va pas me frapper? Et ça, c'est ta chambre. Ferme ta mâchoire, ma chérie. Tu es une princesse à présent.
Voici ton téléphone au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Quoi? Comment ça fonctionne? Servante, je suis ici. Prenez soin de la princesse. Ok. Oh, tu es si jolie. Je ne peux pas voir ça. Regarde-toi dans le miroir. Maintenant, tu es une vraie princesse. C'est pas moi. Quoi? C'est moi? C'est pas vrai. Je suis belle. C'est à ça que tu ressemblais quand tu étais bébé. Prenez place à table, les enfants. Déjeunons. Je n'ai jamais vu autant de nourriture avant. Bon appétit. C'est pour quoi faire? Un mini miroir? C'est une cuillère. C'est pas grave. Quel sauvage! Je vais manger avec mes mains. Comme j'en ai l'habitude. Chérie? Très bien. Ça a bon goût aussi. Allez, Léo. Tu nous suis ou pas? On est une famille après tout. Il faut qu'on se soutienne. Tu veux que je mange mon porridge avec les mains? C'est dégoûtant. Tous mes enfants déjeunent enfin ensemble. Quelle belle photo. Mon cœur? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, ma chérie, les princesses ne lavent pas leurs vêtements dans la piscine. Je suis tombée sur un escargot. Sœurette, est-ce que tu laverais mes habits du dimanche pendant que tu y es? Merci. C'est pas possible. Laisse la lessive. Les princesses ne se comportent pas comme ça. T'as pas besoin de faire ça. Viens. Laisse ton oreille tranquille, Kaya. Mademoiselle Grace, pourriez-vous apprendre à Kaya à se comporter comme une vraie princesse? Oh, très certainement, votre majesté. Bonjour, Kaya. Fais tout ce qu'elle ordonne. Commençons par la posture. Place les livres et marche. Mon cou n'est pas prêt pour ça. Allons, princesse, allez. Oh, j'appellerai ça une démarche Quasimodo. Épaule en arrière. Bouge tes hanches. Ok, compris. Aïe! Oups. Ma cuisse est sur le sol. Bravo, princesse Kaya. Wow. Tu n'es pas tombée. Tu as réussi. Je peux aller aux toilettes. Oh, je suis une super professeure. Elle est rayonnante. Non, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Pas de mouvement inutile. Pas de discussion. Regarde-moi et fais la révérence. Elle est sans espoir. Je démissionne. Mon anniversaire. Enfin. Et c'est aussi celui de ma sœur. C'est pas juste. Je veux une voiture comme cadeau. Et ma sœur aura l'éléphant. Surprise! Oups. Joyeux anniversaire, mes chers enfants. Léo, tu as échangé les cadeaux? J'ai jamais eu un anniversaire comme celui-là. Un éléphant! Mon rêve est devenu réalité! Un vrai éléphant tout mignon, ça a toujours été l'un de mes rêves, et pas une découpe en carton comme ça. Elle est si naïve. Qui sur Terre a besoin d'un éléphant? Qu'est-ce que j'ai reçu? Waouh! Une nouvelle voiture! Quoi? C'est ça ma voiture? Mon cœur, voici ton cadeau. Cet éléphant t'appartient maintenant. C'est un vrai éléphant, pas une peinture! C'est donc ça un cadeau royal! Waouh! Un vrai éléphant! Waouh! Mon nouveau jouet! Je m'en fiche qu'elle soit rose. Elle est rapide et puissante. Waouh! Et... ça ne démarre pas? Quoi? Pourquoi ça ne démarre pas? Kaya! Je suis sur mon éléphant, loser. Alors, qui a de la chance maintenant? Mon cœur. Tourne. Non, tes vêtements ne sont pas bons du tout. Tu as désespérément besoin d'une nouvelle garde-robe. Waouh, tellement d'argent. Maman, il me faut aussi de l'argent pour des vêtements. Ton costume est tout neuf. Regarde, il y a un fil qui dépasse.
Je ne peux pas sortir en ressemblant à ça. D'accord, tiens. Merci beaucoup. C'est du vol à l'état pur. C'est une fortune. Il y a un magasin de vêtements dans le coin. Oh, une princesse. Ma cliente. Attends, donne-moi ça. Tu ne peux pas l'atteindre. Aïe. Marcher en talons, ça fait bizarre. Tout cet argent est vraiment à moi. Je m'achète une nouvelle robe. Waouh! Les vêtements, c'est cher! Bonjour! Vous cherchez une nouvelle robe? Est-ce que ça coûte 100 000? Yes! Waouh! Et celle-ci, combien elle coûte? Ce rideau? 100 dollars! Je vais le prendre alors, génial! Et voilà, maman va adorer ma robe royale! Il me faut de l'argent pour manger! Voilà, ma pauvre! Ça veut dire beaucoup pour moi. Prenez soin de vous. Wow. Salut, Sorette. Est-ce que tu as déjà décidé de ce que tu vas porter à la réception royale? J'ai un tas de tenues pour toi. Qu'est-ce que tu vas prendre? Prends une carte. Ça, t'es sûr? C'est comme ça que les royaux s'habillent. D'accord. Vous êtes sur le point de voir ma fille, la princesse Kaya. Chérie, qu'est-ce que tu portes? Je savais que tu me menais en bateau, Léo. Calmons-nous. Tiens, mets ça. C'est mieux. Regardez-la, elle ressemble à une blague. Je suis totalement humiliée. Arrêtez de rire. Chérie, prince, vous êtes hilarant. Désolé, je dois aller voir ma famille. Ce n'est pas pour moi. Chérie, arrête de sangloter. Regarde, je suis habillée comme toi. Et personne n'osera se moquer de la reine. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi. On est une famille après tout. On fait la paix. Hé les amis, dites-nous dans les commentaires ci-dessous quelle tenue de réception royale est la meilleure. La première? Ou la deuxième? Ou la troisième? Quelle belle journée pour créer des liens en famille! Stop! Selon les traditions séculaires établies dans notre royaume, la famille royale n'a pas le droit de se comporter de la sorte. À partir de maintenant, vous êtes déchus de votre titre et de tous les privilèges royaux. Non! Comment osez-vous? Finissons-en avec ça! C'est sur le point d'éclater. On dirait que quelqu'un a mangé trop de gâteaux. C'est fini. Plus de casse-croûte au palais. Vous n'entrerez pas. Quoi? Nouvelle règle. Je suis un prince. Comment oses-tu? Je vais déposer plainte. Non. Comment je vais vivre sans sucrerie maintenant? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Elle veut pas nous laisser entrer. Un seul mot. Regarde cette montre. Ça a marché. Entrez. Ne bougez pas. Et si... Arrêtez de rire. Je garde un œil sur vous. Hé, mes amis. J'ai un plan. De rien. Ouais, du soda. Vas-y. Bonjour, nous voudrions faire une visite guidée pour le bébé. Comme c'est adorable, je peux le porter. On n'avait pas vu venir ça. Oups, comment osez-vous? Prends ça. Bam!
Hé, hey, votre majesté, les royaux ne sont pas faits pour ce genre de choses. D'un autre côté, j'ai pensé à un plan merveilleux. Je vais économiser un peu de magie et je vais essayer. Alors, tu m'as juste changé, c'est tout? Quel beau plan! Tiens, regarde! C'est vraiment ridicule. Je ressemble exactement à la reine-mère. Tout le monde se fiche des diamants. Les sucettes, c'est ce qu'il me faut. Votre majesté, entrez! Mais qui est-ce? Un imposteur? Je suis la vraie reine! C'est scandaleux! Garde! Faites-la arrêter! Les amis, à l'aide! Commentez ci-dessous laquelle d'entre elles est la vraie reine! Je n'arrive plus à m'y retrouver. La première ou la deuxième? Comment oses-tu douter de moi? C'est pas possible. Le pollen magique va sauver la journée. Oh, oh, j'en peux plus. Oh, les enfants sont si gentils. Arrêtez! Ralentissez! On n'a pas de bonbons. Ok, voyons voir si c'est vrai. Sans aucun doute, il n'y a absolument rien. Voilà, c'est fait. T'as dit que ça marcherait. C'est bon. On doit y aller. Salut! Le royaume va connaître de forts orages aujourd'hui. Pensez bien vous mettre à l'abri. À en juger par les apparences, les jumeaux sont tout à fait prêts à faire entrer des bonbons en douce cette fois-ci. T'as pensé à ça aussi? Il nous faut un selfie. Souris! Ah! Non! S'il vous plaît, faites-les partir! Je serai si douce et si gentille! Oh, oh, je ne peux presque plus rire. Sortons d'ici. Quoi? Les démons sont partis? Ouf, Dieu merci. Léo, Léo, regarde. Allons nous faire tatouer. J'y vais en premier. Pas moi. Viens! Donne-moi ça, maintenant! Mais t'es folle ou quoi? La reine va me couper la tête. Est-ce que c'est réel? Calme-toi. Du chocolat, c'est mon tour. Viens, Léo. Faisons le plein de la voiture. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Waouh, il faut que j'essaye. Je me lèche les doigts. Yo, salut. Waouh, éclatons-nous. Même nos tatouages sont identiques. Ouf, j'y arrive plus, je sais pas pourquoi. Je me suis battu moi aussi. Top la sœurette. Hé, c'est quoi ça? Du Nutella? Regarde, Kanye West a été annulé. C'est ça, ouais. Cours! Est-ce que ça s'ouvre? Voyons voir. On devrait y cacher des snacks. Prends-en plus. Regarde ce que je peux faire. Oups. C'est fait. Allons-y. Allez. Déguisons-le en cadeau. Arrêtez. C'est un œuf Fabergé pour la reine. Oh, c'est lourd. C'est cool. Ne secouez pas si fort. Quoi? Les escrocs! La fée nous a sauvés! Personne n'a le droit de faire du mal à mes protégés! Salut, vous! Entrez! La voie est libre!
Ouf, j'ai eu peur. Nous avons une pastèque pour la reine. Elle est mûre. Est-ce qu'on la coupe? Tiens, Kaya. Tu l'auras pas. Bam. Ah, regardez ça. J'en ai ras-le-bol de vous. Tada! Un gâteau entier. Waouh! Avec quoi on le coupe? Aucune idée. Je sais. Il suffit de faire Kia, Kia. Arrête! Ouf! Il faut emprunter la hache de la gardienne. On la coupe et on la rend tout de suite. Oh! C'est parti. Tire fort et cours! Ils sont de retour! Ouais! Fais-toi plaisir! C'est elle! À l'abri! À l'attaque! Prends ça! Salut! Cette nouvelle robe est tellement inconfortable! Voyons ce qu'on a là. Quoi? Il y a certainement quelque chose avec ces lunettes. Vous en avez terminé? Je n'ai rien sur moi. Arrêtez, ne faites pas ça! Tu voulais vraiment cacher ça? Peu importe, je m'en vais. Maman! Maman! Elle n'arrête pas de s'en prendre à nous! Oh, mais comment ose-t-elle? Je vais vous détruire! Oh! Non, non! S'il vous plaît, ayez pitié de moi! Je vous en supplie! Je te fais chevalier et je te décerne l'ordre le plus honorable du royaume! Merci beaucoup! J'ai maigri! La robe me va bien. Je peux à nouveau manger des bonbons.